Cette vidéo va vous aider à analyser votre première campagne Facebook Ads. Donc dans cette vidéo, on va analyser la campagne de Gaëtan afin de déterminer quels sont les facteurs bloquants et les actions qu'il peut mettre en place pour réussir sa campagne. À savoir que c'est bien beau de vous donner des winners et des idées de niche, mais si vous n'arrivez pas à les tester ou les scaler de manière efficace, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, on va analyser cette campagne directement ici et on va vous donner la situation. La situation est la suivante. Gaëtan a dépensé 167,99 € pour avoir un résultat de 139,80 €. Autant dire que Gaëtan n'est pas du tout rentable. Mais quand on fait une première campagne et qu'on dépense aussi peu de budget et qu'on fait des ventes, c'est déjà bien. Il faut le retenir ça. Prix du produit à la vente, 35 €. Coût à l'achat plus livraison, 7,50 €. L'offre marketing qu'il a faite, c'est 50% plus livraison gratuite pour les 70 premières commandes. On va s'arrêter sur le prix parce que le prix couvre les frais publicitaires et les charges de la boutique, ce qui est très bien. Cela dit, il ne fait pas de vente. Et la première chose que l'on recherche avec la publicité Facebook, c'est faire des ventes de manière impulsive. Et ce prix-là, c'est un prix un petit peu barrière. Pour moi, les prix qui permettent de déclencher des achats rapides et impulsifs sont des prix qui sont inférieurs à 30 €. Retenez ça. Le coût d'achat plus la livraison, 7,50 €, ça rentre dans les clous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, l'offre marketing, moi, j'appelle pas ça une offre marketing. 50% plus livraison gratuite, d'accord? Alors, on va dire 50%, c'est quoi? C'est juste une promotion, ok? Réduction, solde, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est une promotion. Et livraison gratuite pour les 70 premières commandes, c'est une urgence. Malgré les quelques ventes, je doute que cette promotion soit aussi percutante que ça. Pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de voir des offres de promotion à moins 50%, donc ça ne les fait plus rêver. En général, quand on vous dit vous allez payer la moitié du prix du produit, vous êtes là comme ça, allez, je vais sortir la CB. Mais là, les gens maintenant, ils ont l'habitude dans les publicités ou dans les pages de vente de voir des moins 50%, des moins 70% avec des prix affolants, quoi. Donc, les livraisons gratuites, c'est quelque chose qui est quasiment obligatoire aujourd'hui. Si vous ne faites pas de livraison gratuite quand vous débutez, eh bien, vous allez avoir un frein à l'achat. Les 70 premières commandes, donc là encore une fois, c'est pas payer 3 ou 4 € qui va effrayer le client. Si le produit lui correspond et que le prix du produit est vraiment attractif et intéressant pour le client, il va acheter le produit. L'urgence sur les commandes, c'est pas une urgence exceptionnelle. Retenez que c'est déjà très bien qu'il arrive à vendre parce que voilà, on est dans une situation de confinement, on pourrait penser que c'est difficile de vendre. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à vendre et il y a des personnes qui n'arrivent pas à vendre et l'idée, c'est de décrypter tout ça. On va rentrer dans les métriques. Là, on va faire une analyse des métriques. Les métriques les plus importantes, comme vous pouvez le voir là directement, c'est le ROAS. Le ROAS, c'est le retour sur les dépenses. C'est-à-dire quand vous mettez 1 €, combien vous allez en récupérer derrière? Eh bien là, Gaëtan, quand il met 1 € sur la table, il récupère 0,83 €. Donc autant dire qu'il est perdant sans faire de calcul scientifique. Ok? Donc la deuxième chose, c'est les valeurs de conversion des achats. Parce que vous voulez savoir combien vous avez fait de ventes lors de votre campagne Facebook, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et on va regarder rapidement les valeurs de conversion des achats. Donc là, on s'aperçoit qu'il a fait 4 ventes. Donc c'est cool, c'est bien d'avoir fait 4 ventes. Si on fait une analyse des ajouts au panier, là on a les ajouts d'informations de paiement. Donc on n'a pas le nombre d'ajouts d'informations de paiement dans les métriques. Je vais quand même checker ça. Alors clac, 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 clac. Là j'ai le coût des ajouts au panier. Donc vous voyez ici, coût par ajout au panier. En moyenne, il a un coût par ajout de 16,80 €. Donc là, ça va être très facile de le savoir. Étant donné qu'il a dépensé 167,99 €, il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre qu'il a fait 10 ajouts au panier, okay, en divisant tout simplement le montant dépensé avec le coût par ajout au panier moyen. Donc, il n'a que 10 ajouts au panier par rapport à la dépense qu'il a effectuée. Donc, c'est une très mauvaise métrique pour ça. Alors, on va revenir ici. On a les coûts par ajout aux informations de paiement. Donc, ça, c'est pas très important. Là, ça, c'est important. OK. Là, on a 16,60 €. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsque vous faites de la publicité, que vous voulez vendre des produits, d'accord? Je parle bien en dropshipping. Des produits qui coûtent 30, 40, 50 € 20 €. Quand vous avez des coûts par achat de 16,60 €, vous êtes borderline. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez un travail
marketing à faire et une offre marketing qui va déclencher des ventes et augmenter votre panier moyen. Si on reprend l'exemple de l'offre marketing, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une offre marketing de dire 50% livraison gratuite pour les 70 premières commandes. Alors c'est pour ça que je dis que faire une offre marketing de 50% plus livraison gratuite, ce n'est pas une offre marketing, c'est une promotion. Ça va permettre peut-être de vendre, mais ça va pas permettre d'augmenter le panier moyen. Et c'est pas ça qui fait que la personne va sentir qu'elle fait une méga affaire. N'oubliez pas que quand vous vendez sur Internet, c'est pour faire une offre irrésistible afin de déclencher des achats impulsifs. Revenons ici. Ici, nous avons donc des ROAS de 2,11, 2,15 pour ces ensembles de publicités. Si on revenait sur l'aspect technique de la campagne, il a créé 6 ensembles de publicités à 10 euros, il me semble. Donc en tout, il a dépensé 160 euros en 3 jours. Et là, donc on a des ROAS de 2 et le risque, c'est que ces ROAS vont être amenés à baisser. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Donc les ensembles de publicités, on va pas toucher aux ensembles de publicités qui font des ROAS de 2. On va éliminer les ensembles de publicités qui n'ont pas déclenché de ROAS ou qui n'ont pas déclenché d'ajout au panier. Avant de poursuivre, à la question, est-ce qu'il faut continuer de lancer ce winner? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des ventes. Et quand il y a des ventes, ça veut dire que c'est comme si vous mettez une canne à pêche et que vous arrivez à avoir des touches. Si vous arrivez à avoir des touches, il faut juste améliorer votre session de pêche, tout simplement. Donc là, il a deux ensembles de publicités qu'on ne peut pas toucher, qu'on va laisser. Les premiers ensembles de publicités à couper sont les suivants. Donc il a celui-là à couper, c'est clair, parce qu'il n'a pas déclenché d'ajout au panier, ok. Là, il n'a pas déclenché d'ajout au panier et celui où il a un coût par ajout au panier de 33,95 €, il faut le couper. Donc ça, c'est impératif. Techniquement, il y a deux, trois ensembles qu'il peut maintenir et il faut analyser ça de près. On va analyser maintenant les CPM. On s'aperçoit qu'il a un CPM moyen de 7,51, qui est un très bon CPM en temps normal. Mais actuellement, les CPM tournent plutôt entre 2 et 4 euros. Donc c'est très cher. Il y a une explication à cela. Cela veut dire clairement que son produit est très concurrentiel. Cela veut dire également que les ensembles de publicités sont très concurrentiels. Cela veut dire qu'il a utilisé des ensembles de publicités où il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité sur Facebook et qui utilisent ces ensembles de publicités. Donc, il va falloir tester de nouveaux ensembles de publicités. La deuxième chose à souligner, c'est que son CTR est inférieur à 1%. Et ça, c'est pas du tout bon. Surtout quand on a des CPM qui sont élevés. Avoir un CTR qui est bas, c'est très mauvais signe. Donc là, il y a un travail à faire au niveau de l'appel à l'action et au niveau de la créative, donc au niveau de la miniature pour augmenter le nombre de personnes qui vont s'arrêter sur la publicité et donc a fortiori, il y aura plus de personnes qui vont cliquer sur le lien. Le coût par clic sur le lien, il est très élevé. Et là, c'est clair, cela veut dire que son produit est très concurrentiel. Et de manière générale, quand vous faites de l'e-commerce, okay, vous devez rechercher des coûts par clic sur un lien qui sont inférieurs à 50 centimes, inférieurs à 60 centimes d'euros. Pour moi, s'il dépense 60 centimes d'euros, il y a une alerte rouge. Encore une fois, cela dépend du prix moyen. Moi, je parle des produits qui se vendent à moins de 50 euros. Okay? Donc là, retenez bien que le coût par clic sur le lien doit être inférieur à 60 centimes. Les coûts par ajout au panier sont vraiment très élevés. Sa moyenne est à 16,80 €. Quand on voit que sa moyenne est supérieure au coût par achat, le plus élevé est à 16,60 €. Et là, on a 16,80 € pour un coût par ajout au panier. Donc c'est trop cher. Cela veut dire clairement que les gens, lorsqu'ils arrivent sur la boutique, le prix ne leur convient pas. C'est-à-dire que la valeur perçue du produit est inférieure au prix. Et donc les gens n'achètent pas. Donc pour qu'ils ajoutent au panier, eh bien on va voir ça après, il va falloir mettre en place certaines actions. Donc le coût par achat, il est encore très élevé, comme vous pouvez le voir. Le coût par achat moyen est à 42 euros. En clair, là, quand on voit ça, ben, normalement, on devrait arrêter de vendre le produit. Cela dit, il n'y a que 167 euros de dépensés, pour rappel. Et comme il a fait des ventes et 4 ventes, ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau du CTR pour amener plus de clients, travailler des audiences sur les CPM pour avoir des CPM qui sont plus bas, pour avoir encore plus de trafic, baisser le prix
pour avoir un coût par ajout au panier supérieur et donc plus de personnes qui vont passer à l'action. Et c'est l'heure de passer à la conclusion. Donc en conclusion, pour arriver aux performances que je vous ai données auparavant, c'est-à-dire améliorer le trafic, améliorer les ventes, la priorité claire, c'est de créer une offre marketing précise et concise afin de pousser les gens à l'acheter. C'est pas en mettant une grosse bannière en disant moins 50%, livraison gratuite, etc. que les gens ils vont acheter. Les gens, quand ils viennent sur une boutique, ils aiment prendre du plaisir à acheter un produit et il faut aussi que ce produit leur apporte quelque chose. C'est-à-dire que soit on leur offre un produit, soit on leur offre une expérience d'utilisateur. Et leur dire moins 50%, clairement, ça ne suffit pas. Gaëtan, il faudra que tu retravailles ton offre marketing en donnant plus de valeur aux prospects. Le prix, revenons au prix. J'aime pas baisser le prix parce qu'en général, quand on baisse le prix, ça veut dire qu'on essaye de vendre moins cher que la concurrence, etc., qu'on va essayer de gratter pour gratter. Mais là, le prix est clairement supérieur à la moyenne du marché. Et étant donné qu'il y a beaucoup de publicités qui tournent autour de ce produit, les gens, ils ont déjà vu des publicités. Quand ils voient ta publicité, Gaëtan, ils se disent, eh ben, encore une publicité, et en plus, le prix, il nous coûte plus cher. Donc là, il va falloir baisser le prix d'au moins 10 euros, comme le coût plus la livraison du produit coûte 7,50 € à 29,99 € ou 24,95 €, t'es encore full rentable, ok? Les upsells, il en a pas mis. Donc, dans le message qu'il m'a envoyé, il n'avait pas encore mis d'upsell. Et bien, clairement, il faudra que tu mettes un upsell si tu veux continuer de tester ce produit. Parce que l'upsell va permettre à ceux qui passent à l'action, ceux qui achètent, d'augmenter le panier moyen et donc de couvrir les frais publicitaires. Donc, le test que je te recommande, c'est d'essayer de faire du 29,99 € de acheter un offert. Donc, c'est un test à faire sur 2 jours. Si c'est pas concluant, je te recommande de faire un test à 24,95 € d'acheter un offert et de voir avec ton fournisseur s'il ne peut pas baisser la livraison pour que tu aies plus de marge. Tester de nouvelles audiences parce que cela va permettre de rechercher des CPM plus bas, des coûts par clic plus élevés. Il y a aussi un travail à faire sur les créatifs pour augmenter le CTR. D'accord? Donc ça, c'est l'appel à l'action. Donc revois la fin de tes vidéos pour améliorer les appels à l'action. Pourquoi pas tester de nouveaux formats si t'as pas testé le format photo, carrousel, si tu n'as fait que de la vidéo. Donc tester de nouveaux formats pour avoir de nouveaux placements et donc ça te coûtera moins cher en publicité parce que là, clairement, ton CPM, il est trop élevé, tes coûts par clic sont beaucoup trop élevés. Donc, tu payes trop cher pour récolter des ventes derrière. C'est-à-dire que même si tu avais des performances, ben, c'est des performances qui vont être assez minimes. Comme on peut le voir, quand tu fais des ventes, tu fais des ventes avec des coûts par achat qui sont élevés. Et donc, il faut améliorer les performances pour faire baisser ces coûts-là et faire une offre marketing qui soit plus alléchante pour augmenter le panier moyen et donc couvrir tes frais publicitaires et être rentable, gagner de l'argent, être heureux, la vie de rêve, comme tout le monde aimerait. Donc, faire du gros cash, en résumé. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé et j'espère qu'elle va vous aider à vous aussi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Retenez quelque chose. Vous pouvez amener 1 million de personnes sur votre page de vente et leur dire que vous avez la confiance de X, de Y, que ce produit est breveté, nanani, nanana. S'il n'y a pas la bonne offre marketing, le bon prix, n'oubliez pas que le bon prix fait passer les gens à l'action. Les gens n'achèteront pas. C'était Youssef El Kalaï, j'espère que vous avez aimé. Pouce bleu, abonnez-vous. Je vous dis ciao, ciao.